m'appelle Franck et je suis passionné par Télémark depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis le président d'AMPM Télémark dans les Hautes-Alpes. On est passionné de Télémark. On a amené pas mal de monde à cette activité. Voilà, c'est une communauté qui fonctionne très très bien. Ce qu'on avait envie de faire, c'est de partager ça avec des gens qui ne font pas encore de Télémark. Donc on s'est dit qu'il fallait que ce soit peut-être d'autres personnes qui vivent le Télémark à 100%, qui nous expliquent à leur tour pourquoi le Télémark est aussi passionnant pour eux. Oui, allô, au film. C'est Franck, télémarqueur à l'appareil. Je t'appelle, tu sais, pour notre projet de film avec AMPM Télémark. On parle de compétition de Télémark et avec tes frères, je pense que vous êtes les mieux placés pour nous parler de tout ça. Naturellement, les premiers auxquels on a pensé pour ce film, c'est des champions et on a des champions en équipe de France. Il y a trois frères lourds, une fratrie qui affiche des résultats internationaux, on voulait vraiment les rencontrer. Et puis on a de très belles télémarqueuses en équipe de France, alors on s'est fait plaisir et on a été les interroger aussi. C'était important, je pense, de savoir ce qu'eux pensent de cette activité et comment, à travers la compétition, ils vivent le télémark. J'ai commencé le télémark à l'âge de 9 ans, en initiation. Et après, j'ai accroché et j'ai continué. Moi, à chaque fois que je mets les télémarques, en général, c'est déjà pour me faire plaisir. Et du coup, derrière, il y a tout le bonheur qui va avec. Que ce soit pour rencontrer des gens ou le plaisir juste de faire des belles courbes, tout simplement. En télémark, c'est une grande famille. On peut facilement aller vers les gens et discuter avec eux sans souci. J'arrivais à un moment donné où dans le ski alpin, c'était toujours la même chose. J'avais besoin de changer, de découvrir autre chose. Et à partir du moment où j'ai essayé en fait le télémark, j'ai tout de suite accroché au niveau des sensations. Dès que j'ai fait mes premières compètes, déjà niveau résultat, ça s'est super bien passé. Et en plus de ça, l'ambiance était complètement différente. Et c'est vraiment ce qui m'a fait changer d'avis. Et je regrette pas. Sûr, on est de la famille, donc... être ensemble pendant les compétitions, s'entraider, tout ça, c'est quelque chose que pas tout le monde peut avoir pendant les compétitions et c'est un truc en plus qui fait qui fait notre réussite. Ce que j'aime bien dans cette discipline, c'est que c'est vachement complet. On a plusieurs disciplines qui se font dans la même, donc c'est assez combiné. On a le slalom géant, le saut, le loom, c'est un virage relevé de 360 degrés, et la partie de skating à la fin, donc c'est assez complet. Et j'aime bien ça parce qu'il faut être bon dans tout et il faut travailler beaucoup de disciplines pour être bon en télémark.
Alors dans le ski alpin, on a quand même le talon qui est attaché, donc on a un équilibre en plus qui permet de faciliter le géant. Après le télémarque, on a le talon détaché, donc c'est sûr, il y a la difficulté en plus. On a un équilibre de plus à acquérir, donc c'est juste ça qui est un peu plus difficile. Sinon au niveau techniquement, le ski travaille dans le pareil, donc c'est pas plus difficile que ça. On prend vachement de plaisir en télémarque. C'est principalement ça qui mène à continuer ça. Tout le monde s'entraide, tout le monde s'encourage, tout le monde discute avec tout le monde. Le télémarque, c'est la base et je ne retournerai pas en arrière. Après les rencontres avec l'équipe de France qui se sont super bien passées, on était comme Sven Lo, motivé à 100% pour continuer ce film, on n'allait plus faire marche arrière. J'ai bien eu quelques galères mécaniques entre autres, et puis quelques désillusions parfois, mais on a toujours eu des solutions. Les navettes sur le 05 nous ont aidé à continuer à repérer, à rencontrer des partenaires. Donc voilà. Très vite par contre, on s'est dit qu'on n'irait pas à la rencontre des gens chez eux pour faire un entretien, une interview. Ça pouvait pas fonctionner comme ça. L'idée c'était plutôt de les faire venir, de les inviter à venir découvrir nos terrains de jeu, à jouer et glisser sur nos pentes. Après ces moments de partage, trouver un moment dans la journée pour discuter tranquillement de télémarque. Ça a pu se faire parce qu'on a eu un accueil super partout où on a été et qu'on était super contents de partager, de faire découvrir des spots de glisse dans lesquels on a l'habitude d'aller. Donc que ce soit Vars, Crévoux, Saint-Véran, Seillac, Orcières ou La Grave, on a vraiment été super bien accueillis et ça a contribué au succès de ce projet. J'ai découvert le télémarque il y a 7 ou 8 ans. C'était une sortie de ski au lycée en fait, j'en avais toujours entendu parler mais j'en avais jamais vu. Et il y avait Sven Lo qui était là et j'aurai toujours cette image sur la piste où on descend tous plein de balles et il y a lui en télémarque qui est là à ma gauche à descendre aussi vite que nous. Et là je me suis dit, en fait avec le télémarque il peut vraiment bombarder. Et là je me suis dit un jour il faudra que j'essaye. J'ai fait 3-4 sorties pour essayer et ça m'a plu tout de suite. Donc il y a 4 ans du coup j'en ai acheté une paire, j'ai jamais rechaussé de ski depuis. Ce qui différencie le télémarque des autres sports de glisse, c'est les sensations. Déjà ça c'est évident. T'es plus près du sol, donc sur la piste t'as déjà une impression de vitesse qui est autre. Dans la puff, t'en prends plein la gueule direct. Outre ça, tu redémarres à zéro, donc faut tout reprendre. Tu redécouvres complètement la glisse. Puis après, c'est aussi une famille, c'est une communauté. Quand tu croises un télémarqueur sur les pistes, bah, tu lui fais toujours un petit signe. Enfin, c'est le télémarque. Aujourd'hui, j'ai largement dépassé le niveau que j'avais en ski à l'époque. Moi, ce que je kiffe, c'est de mettre des bonnes faces, sauter des grosses barres. Il n'y a vraiment aucune limite. C'est un peu mon objectif aussi, c'est de pouvoir montrer qu'en télémarque, tu peux largement envoyer autant qu'un skieur, voire plus, et c'est largement faisable avec de la pratique, quoi, c'est comme tout. Hein. Aujourd'hui, ce que je fais le plus, c'est de la photo, donc avec Robin Garnier, un photographe qui est sur la Tania aussi. Et on a sorti une grosse photo ouais, sur une barre qui doit faire une quinzaine de mètres, qui a fait réagir beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que Franck m'a contacté et que je me retrouve ici aujourd'hui. En freeride, la compétition, c'est souvent le format derby qui est retenu. Gagner un derby, c'est énorme, c'est exceptionnel. Nous, en télémarque, on a quelqu'un qui collectionne les victoires en derby. Et en plus, il avait plein de choses à nous dire. Tu sais, moi, je parle pas beaucoup. Hein. J'arrive mieux à m'exprimer quand je glisse que quand je parle. J'adore ça. Je suis des fois plus à l'aise à m'exprimer sur une belle ligne que par des paroles. I'm not afraid to wait.
Ma définition du télémarque, c'est la liberté en général. Talon libre, esprit libre. C'est souvent être dans la montagne avec des amis et de la bonne neige. Et ça se rapproche aussi au ski, au snowboard, parce que l'important, c'est de partager la nature et les collègues, quoi. Je travaille sur Verbier, donc je suis moniteur de ski. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui me demandent, qui veulent essayer, qui en font un petit peu. Et souvent, ils aiment bien que je vienne en télémarque juste pour voir quelqu'un qui sait bien télémarquer et voir le style. Ça a vraiment beaucoup de style et ils adorent ça. Quand je pars avec des potes skier, je prends plutôt les télémarques. J'aime bien, je trouve ça, c'est vraiment une glisse conviviale et ça se marie, que ce soit mes copains soient en snowboard ou en ski, ça permet de joindre toutes les disciplines. J'ai des sensations de snowboard en télémarque, donc ça c'est génial pour les snowboarders. Et donc skieur, snowboarder, faut essayer le télémarque. J'ai l'avantage de skier assez vite, que ce soit en ski, snowboard ou télémarque. Donc quand je vais avec des copains, je peux y aller en télémarque, il n'y a pas de problème. Ça freine pas du tout la progression de la journée. J'aime bien faire de la rando, hein, normal, avec le télémarque, ça se marie vraiment super bien. Maintenant, ils font du bon matos, là, ils font des... Autofila, ils ont fait des nouvelles fixes de télémarque exprès pour la rando. Donc ils sont un peu plus légères et qui ont plus de débattement. Donc c'est génial pour la montée. On a un débattement comme une paire de fixes de ski de rando. Donc c'est un bon produit, c'est pas mal. C'est aussi de fédérer, d'unir les gens, de les motiver. On l'a bien senti sur ce projet, hein, très vite, des bruits ont un petit peu circulé sur Internet à propos de ce tournage. Et on a eu plein de contacts de télémarqueurs des quatre coins des Alpes ou des Pyrénées. Ils nous ont tous proposé un coup de main, un hébergement, un tuyau, une participation. Enfin, on a vraiment été super surpris et contents de toutes ces réactions. Tous les jours, on était une vingtaine à se réunir pour le tournage. C'était vraiment super de voir tout cet enthousiasme et la motivation des télémarqueurs. On a même eu des Suisses qui nous ont rejoints sur le tournage. Quand on leur en a parlé, ils n'ont pas hésité une seule seconde.
Nous, on tenait à les rencontrer parce que vraiment, on a eu l'occasion de voir des images de ce qu'ils font sur la neige en Télémark et ils apportent une touche de modernité et de fraîcheur hyper intéressante pour cette activité. On tenait vraiment à les rencontrer et à leur donner la parole. On a le temps là ? Nous, on prend le temps. Nous, on prend le temps, oui. Mais moi, j'ai l'impression d'être un kéké si je me mets comme ça me saoule. Moi, j'aime bien être comme ça. Moi, je sais, t'es un kéké. Bon, quoi que l'interview, on s'en fout, nous, c'est le making-of qu'on voulait. C'est nous qu'on aurait dû le faire tourner. Ah, je crois qu'il a envie. Oh, on est pas mal. On est pas mal, pas cadré. Bah, c'est ça qui est beau. Ah. Et là, vous filmez ? Since yesterday I have an idea about this stupid world. I want to follow my ride and be able to shine and shine again my opinion. I want to shine, 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 make the eye in the world. I want to shine, 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 the dance, screaming nation. I'm not the rest, shine, shine, I have too much to tell about this show. That's life. My spirit is burning. Since yesterday I have an idea about this stupid world. I want to follow my ride and be able to shine and shine again my opinion. I want to shine, 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 make the eye. Alors on a commencé le Télémark il y a 3 ans, Nicolas un peu moins. Ouais, moi j'en ai fait 15 fois. Il n'en fait pas. Ce qui différencie le Télémark des autres sports de glisse, je pense qu'il y a quand même une bonne ambiance entre les participants. Moi je fais plus de ski alors, j'ai plus de ski, j'en fais plus, j'ai plus envie. Le freestyle en Télémark... C'est plus difficile. C'est plus difficile, puis comme j'ai plus envie de faire de ski, je fais du freestyle en Télémark. À part que c'est plus dur à se poser en arrière, je sais pas s'il y a un gros avantage, il y a quelques tricks à faire en plus, mais j'y arrive pas de toute façon. Donc, à part ça, pas une grosse différence. On essaye de réintroduire l'utilisation du shtuk, mais on l'appelle Warschen shtuk. On a vu qu'ici vous achetez ça en fâchant. Donc le long bâton, on va couper des noisetiers. Sauf qu'on les a déjà tous, on les a tous pétés, alors on n'en a plus, mais. Freestyle en fâchant. Ouais, c'est plus trop. Plus trop. On a fait ça au début, mais... Ça fait trop mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, c'est pas idéal, je crois. Ouais, les stations des Hautes-Alpes, c'était vraiment cool. Un beau paysage. Là, on a eu de la bonne neige. Les forfaits pas chers. Ah, le Keras, magnifique. Ah, le Keras. On a quand même mangé des trucs bizarres. Hein. Confiture de tomates vertes. Ouais, c'est spécial. Tout ça trempé dans le café, en plus. Pas que les Suisses hein, qui sont bons en freestyle en Télémark. On a aussi des Français qui sont bons en tout. C'est le cas de Mika qui avait fait des images avec nous dans les mélèzes du Keras et qui cette année nous a offert une super session de slopestyle et de freestyle. Télémark, c'est une autre façon de glisser, c'est un autre style. C'est vraiment être plus proche du sol, tu as beaucoup plus de sensations qu'en ski, je trouve. Un gars qui me pose la question pourquoi tu fais plus de Télémark que ski ou de snow, je lui dis que ben, c'est une nouvelle technique et ben, faut toujours un petit reprendre sa technique. C'est vrai que c'est un peu plus fin que ski. Le ski, tu peux, quoi qu'il arrive, tu peux bourriner. Et quand Télémark, faut toujours être un peu fin, toujours s'adapter à la neige plus qu'en ski. Quoi. Voilà, c'est une technique à affiner tout le temps. Quoi. Et je pense que ce soit maintenant, à ce que j'ai 50 ans, tu seras tout le temps en train d'affiner, quoi qu'il arrive.
part qu'en télémarque, ça c'est un petit peu le moment de gloire. Je veux dire, parce que bon, on arrive soit sur l'air de jib ou sur les big air. Moi je suis pas super fort en big air mais plus en jib. Et là, gars, il te regarde, tu prends le kick fait ta figure ou le rail qui fait ta figure et oh, mais il est en télémarque. Et là, c'est vrai que c'est ça qui marque le plus et c'est vraiment un bonheur, quoi. C'est un bon moyen de se rétamer devant les gonzesses aussi. Ouais, c'est extraordinaire de voir que le télémarque continue d'évoluer et attirer des jeunes. On est content que ce sport, cette activité se modernise, continue à se moderniser. C'est pas pour autant qu'on oublie les racines du télémarque. On est même très fiers de cette histoire, de cette esthétique, de ce côté vintage. Certains passionnés d'ailleurs continuent d'arborer fièrement la tenue traditionnelle. Souvent des télémarqueurs de la première heure qui organisent des rassemblements, participent à la vie du télémarque. On tenait à en rencontrer au moins un. La liberté, les deux pieds attachés. Mm-hmm. Ouais, le télémarque, tu peux glisser en télémarque, tu peux faire de la rando rapidement, accéder à un petit hors-piste, tu peux te mettre en alpin si tu es fatigué, tu peux sauter, tu peux tout faire en fait. Tu peux te faire plaisir. Je pense que c'est une guise généreuse, donc c'est une façon de partager des choses avec les gens. Donc faire des initiations, donner de son temps, ça fait partie de la chose, quoi. Les rassemblements, c'est important dans le télémarque, quoi. Il y en a beaucoup, c'est vraiment des moments où on peut faire de l'initiation, où on peut faire découvrir. Il y a la tournée des trois bouteilles en Suisse, il y a le TPT dans les Pyrénées, il y a la TLM à la Plagne, la Black Shoes à Tignes. Je pense que la plupart des gens qui viennent sur les rassemblements, bah, après ils adhèrent complètement à l'esprit télémarque et ils ne changent plus. Et toi, t'as prévu quoi cette année pour l'éléphante? Tu gardes la surprise ou tu nous expliques un peu? Ouais, l'éléphante, on garde la surprise. Bonjour, moi c'est Seb. Moi c'est Nico. On a gagné l'année dernière, on voulait gagner cette année. On va tout pulvériser. Mais cette année, on a misé sur l'honnêteté. Aujourd'hui, c'est un commentaire. Échec total. C'est la faute à Franck. Il m'a fait boire. Rassemblement de télémarque, c'était certainement la meilleure façon de découvrir et de débuter en télémarque. Après, c'est vrai qu'il y aura quelques difficultés à surmonter. Trouver du matériel en location ou d'occasion, c'est pas si facile. Trouver le bon moniteur ou collègue capable de vous donner des conseils. Accepter de repartir à zéro.
surmonter le côté physique qui est un peu décourageant au début. En fait, c'est un vrai défi de se mettre au télémarque. Et c'est peut-être un des aspects qui nous a attirés ou qui vous attire vers le télémarque. Donc faut pas hésiter parce que, à l'inverse, c'est tellement exigeant techniquement et physiquement que quand on fait du télémarque, on est obligé d'être à 100% dans ce qu'on fait. Du coup, c'est un défouloir extraordinaire. Quand on fait du télémarque, on oublie tout le reste. On est dedans, à fond. On profite de l'instant présent et de l'adrénaline que procure ce sport de glisse. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vous attirer vers le télémarque ou qui font que le télémarque est aussi passionnant et prend autant de place dans nos vies. Le sentiment d'appartenance à un groupe, cette culture et cette recherche de la liberté, cette histoire romanesque de l'inventeur du télémarque. Il y a vraiment un côté spirituel, comme on peut peut-être le trouver dans le surf des mers, qui fait que quand on fait du télémarque, généralement, on vit télémarque toute l'année. Quelqu'un a vu des images de télémarque, ben c'est plus facile d'en parler. On peut lui parler, ben, je sais pas, de la sensualité de la glisse du télémarque, c'est fabuleux, c'est d'une douceur extraordinaire, c'est un peu de la danse, c'est de la chorégraphie. Il y a plein de styles différents, on voit les styles des compétiteurs, on voit les styles des freestylers, les styles des freeriders, des skieurs de derby qui vont super vite et tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts, voilà. Puis il y a encore sûrement plein de trucs à inventer. C'est talon libre et ski libre, c'est le slogan, on peut le reprendre. Je crois qu'il présente bien la discipline, il y a vraiment plein de possibilités encore à inventer sûrement, et c'est la plus ancienne en plus.